J'ai eu à faire la gestion hospitalière comme étude et j'ai travaillé d'abord au ministère de la Santé quand j'ai été affectée. J'ai également travaillé au niveau de l'OMEL. J'ai travaillé dans deux DDS, DDS Atlantique, DDS Ouémé, direction départementale de la Santé. J'ai travaillé également au CNHU, le Centre national hospitalier Université Kotoko-Maga, en tant que directrice adjointe d'abord, et puis après en tant que directrice. Ensuite, j'ai été directrice des ressources financières et du matériel au ministère de la Santé publique. Et enfin, j'ai été directrice adjointe au niveau de l'ANGC, l'Agence nationale de gestion de césarienne, la gratuité. Donc, j'ai eu ma retraite depuis 2013, ça fait 5 ans, et j'ai été appelée pour gérer le bureau d'exécution et de coordination de l'AMSES. L'AMSES est né le 15 mars 1985, cela fait près de 38 ans maintenant. Et c'est une association des œuvres médicales privées confessionnelles, comme son nom l'indique. Cette association a été créée pour favoriser la collaboration entre l'État et le privé social à but non lucratif. J'insiste là-dessus. Donc c'était une volonté de 5 directeurs d'hôpitaux, Boko, Papané, Pembereke, et autres qui se sont associés pour dire bon, nous allons créer cette association pour nous faire entendre. Parce que les hôpitaux confessionnels travaillent beaucoup, plus de 40% des soins qu'ils prodiguent pour la population béninoise. Donc cette association a été créée et ça nous permet d'être en collaboration avec le ministère de la Santé pour pouvoir discuter, pour pouvoir nous faire entendre. Il y a également un deuxième objectif, c'est d'avoir un creuset pour que les hôpitaux puissent se rencontrer, pour faire des échanges. Et troisième objectif, c'est pour le renforcement des capacités des ressources humaines. Donc nous faisons des formations ici, au niveau de l'AMSES, à part la coordination des activités que nous faisons. Il y a également le renforcement des capacités, comme je l'ai dit, des ressources humaines. Il y a également le renforcement du plateau technique à travers divers programmes que nous gérons au niveau de l'AMSES. Les premiers directeurs qui ont eu cette volonté de créer l'association, effectivement, sont Honor, Boko, Papané, Tanguieta, faudrait pas oublier Tanguieta, Pembereke, et puis à Sedovicon de Boïko. Mais au jour d'aujourd'hui, l'association compte 19 membres. Vous avez Bethesda par exemple, vous avez Saint-Luc, Saint-Jean, plusieurs autres formations sanitaires qui sont dans le sud, dans le Mono également. Et nous avons le Messi également à Cocody ici, plein d'autres hôpitaux et centres qui ont adhéré à notre association. Depuis la création de cette structure, depuis 38 ans que cette association existe, comme je l'ai dit, c'est d'abord pour pouvoir discuter valablement avec le ministère de la Santé. Le partenariat public-privé n'a pas encore pris d'ampleur au Bénin, comme on l'aurait souhaité. Donc l'AMSES fait partie de plusieurs comités au niveau du ministère de la Santé, au niveau d'autres ministères également pour discuter. Ce que AMSES a fait, la bonne gouvernance, déjà au niveau des hôpitaux. Nous mettons l'accent sur la bonne gouvernance au niveau de nos hôpitaux. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de projets, programmes que nous gérons au niveau de l'AMSES. Plusieurs projets, programmes, on a déjà eu à gérer. Donc ça nous permet de renforcer le plateau technique de nos hôpitaux. Le grand programme que nous avons actuellement, c'est par exemple le programme de mise à MSV.
C'est une ONG belge qui appuie les hôpitaux Boko, Papané, Bembereke et Niki. Il y a le renforcement des capacités, des ressources humaines. Il y a le plateau technique qui a amélioré les infrastructures, qui nous aide à construire également. Donc, c'est beaucoup. C'est beaucoup au jour d'aujourd'hui. Nous ne pouvons pas parler au Bénin sans faire un clin d'œil à l'AMSES. L'AMSES fait beaucoup pour nos populations. Mes ambitions sont nobles et sont nombreuses. L'AMSES est déjà connue. Je voudrais qu'elle soit connue davantage de par les actions qu'elle va mener, qu'elle mène. Je voudrais également que le partenariat public-privé, PPP, que ce soit une réalité. Une réalité, parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas d'appui en tant que tel au niveau du ministère de la Santé. Mon cheval de bataille a été de me rapprocher du ministre de la Santé pour demander cet appui-là. Il faudrait que le ministère appuie l'AMSES. À travers l'AMSES, je veux dire les hôpitaux confessionnels. Il faudrait que, de par la communication, que l'AMSES soit connue par des ONG. Nous avons besoin d'appui pour nos hôpitaux parce qu'il faudrait renforcer le matériel médico-technique. Sinon, les évacuations qui se font du Bénin vers les autres pays, on peut les éviter. C'est des milliards qui sont engloutis. Quand j'ai été DRFM, je sais combien nous dépensons pour les évacuations sanitaires. Alors que si le plateau technique est amélioré, je crois que nous pouvons éviter cela. Donc je veux œuvrer pour ça. Si nous avons beaucoup de partenaires techniques et financiers qui nous aident, nous pouvons arriver à cela. Je vous ai dit que je ne voudrais plus qu'il y ait d'évacuation sanitaire. Si les plateaux techniques sont renforcés, je crois que nous allons éviter d'engloutir des milliards et des milliards. L'État béninois fait beaucoup déjà. Et avec les réformes, les nouvelles réformes que nous avons sous ce gouvernement, gouvernement de M. Talon Patrice, avec le projet H, je crois que si les hôpitaux confessionnels sont renforcés dans les plateaux techniques, si le renforcement des capacités des ressources humaines se fait correctement, je crois que nous allons éviter toutes ces évacuations. Les soins de qualité au niveau de nos hôpitaux. Du ministre de la Santé, je voudrais dire qu'il faudrait que les hôpitaux confessionnels à but non lucratif soient appuyés. Je l'ai toujours dit, j'ai beaucoup œuvré pour cela, j'ai demandé que le ministre nous vienne en aide, pas à l'AMSES, c'est à travers l'AMSES que les hôpitaux soient appuyés. Comme je vous l'ai dit, ça fait quand même 19 hôpitaux confessionnels, dont le plus grand hôpital de référence, Tanguy Eta. Beaucoup de gens connaissent Tanguy-Eta. Il y a beaucoup d'évacuations sanitaires qui sont faites vers cet hôpital-là. Donc nous avons besoin d'appui. Il y a 7 hôpitaux qui sont érigés en hôpitaux de zone parmi nos hôpitaux confessionnels. À part l'appui qui se fait pour ces hôpitaux confessionnels, qui, bon, je ne peux pas le nier, c'est quand même un appui, mais ce n'est pas assez consistant. Ce n'est pas assez consistant. Je voudrais que l'État fasse davantage pour nos hôpitaux confessionnels, parce que c'est des hôpitaux qui sont à but non lucratif. Ils ne recherchent pas forcément de bénéfices. Oui, à l'endroit de nos partenaires, c'est d'abord les remercier, ceux qui ont eu l'amabilité d'appuyer nos hôpitaux. Il faudrait d'abord leur dire merci. Merci pour tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, parce qu'il y a beaucoup de programmes qui sont passés par l'AMSES. Et aujourd'hui, le plus grand programme, comme je l'ai dit, c'est MEMISA MSV. C'est un programme qui va durer 5 ans, qui a déjà fait 3 ans, et puis maintenant, c'est un nouveau programme qui a débuté depuis 2017. Donc, je voudrais les remercier, dire que nous sommes très sensibles pour tout ce qu'ils font pour nos populations. Et demander que d'autres partenaires puissent avoir également la gentillesse de faire un clin d'œil à l'AMSES, de venir vers nous, la bonne gouvernance,
nous sommes là pour prôner la bonne gouvernance, pour améliorer la gouvernance dans nos hôpitaux confessionnels. La gouvernance, déjà au niveau des hôpitaux confessionnels, ce n'est pas la même chose que ce qui se passe dans les hôpitaux publics. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de grèves au niveau du secteur de la santé. Donc ce sont nos hôpitaux confessionnels qui prennent le relais quand il y a des grèves. Il n'y a pas de grève dans nos hôpitaux confessionnels. À l'endroit des populations, je voudrais dire qu'ils n'ont rien à craindre à aller dans nos hôpitaux confessionnels. Parce que l'être humain est au cœur de tout ce qui se fait dans nos hôpitaux. Le capital humain est très, très important. Lorsque les malades, les patients viennent dans nos hôpitaux, nous ne recherchons pas forcément de l'argent. Nous ne cherchons pas que le patient paye d'abord avant qu'on ne s'occupe de lui. Alors que c'est le contraire dans nos hôpitaux publics. Si vous ne payez pas, on ne vous prodigue pas de soins. Donc, je voudrais dire aux populations d'avoir toujours confiance à nos hôpitaux confessionnels. À l'endroit du gouvernement, je l'ai dit tantôt, je voudrais qu'il y ait un appui considérable pour nos hôpitaux confessionnels. À l'égard des partenaires techniques et financiers, effectivement, après les remerciements, nous demandons encore plus d'appui pour qu'il y ait des soins de qualité dans nos hôpitaux confessionnels, pour que les populations n'aient plus à avoir peur de fréquenter les hôpitaux. Je vous remercie.